Hop, et voilà, bonjour à tous. Nous voilà sur le golf de Saint-Germain-lès-Corbeil. Un nouveau golf que j'ai jamais joué. Pour le moment, il est très propre. Les greens ont été carottés il y a une petite semaine, donc commence à se remettre. Il fait pas trop moche. On avait pu, il annonce un peu de pluie a priori. On aura pas, on aura un petit peu de temps. Donc allez go, comme d'habitude, je suis avec mon compère François là-bas et on va tous les deux faire une carte Eagle Series. Allez, bonne journée à tous. Et voilà, bonjour à tous. Du coup, nous sommes sur le trou numéro 1, un par 4 de 261 mètres. Allez go! Voilà, j'ai parlé un peu vite, il vient de se mettre à pleuvoir à l'instant. J'espère que ça ne va pas trop pleuvoir. Donc là, je vais essayer de jouer pas trop agressif pour une fois. Donc ça sera un fer 6 pour moi. Il y a un peu de vent. Je vais pas essayer de pas prendre trop de risques. Bon, je vais enfiler la tenue de pluie après. Oh putain, c'est une très belle balle à droite. Ok, à droite du bunker là-bas. Hop là! Allez, c'est parti. Ok, bon allez, je suis là. Il me reste 122, non, 100 mètres sans du green. Je suis en descente, donc on va dire 80. Donc j'ai 90 devant en fait. Hein. L'eau rentre à 84, finit à 97. Il faut que je fasse plus de 100 mètres. J'ai pas beaucoup de hauteur à cause de l'arbre qui est là. Je vais faire un petit pitch, mais j'ai peur d'être trop haut, de taper l'arbre. Pourtant ça serait un pitch quand même. Pitch va être long en plus. Hein. Alors je vais faire un pitch un peu bas. Un peu punché pour qu'elle passe sous l'arbre. Donc au pire ça fera une gratte et elle sera dans l'eau. Partie en puncher, elle est longue. Reste. C'est bon. Elle est un tout petit peu longue bord du green. Mais elle est, franchement, elle est pas mal. Je suis là-bas juste avant le bunker à gauche. Ouais, donc je vous disais, je vais essayer pour une fois de faire une technique, de faire un peu plus de stratégie que d'habitude et de jouer mal, comme je sais faire, et d'attaquer les drapeaux à chaque fois. Je vais essayer de viser. Voilà, j'aimerais bien jouer un petit 90, 92, mais de façon réfléchie. Pas à l'arrache comme je suis capable de faire. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. Je vais voir ma balle. Donc voilà le green du 1, hein, quand même, direct. Hein, bien défendu. Donc petit bunker en C2 Hill. Là. C'est vraiment sympa. Pas d'ego. Je vais là-bas, juste un tout petit peu, je vais avoir limite derrière. Ça aurait peut-être dû être le 50, mais bon, comme ça au moins. Pire, le bunker n'était pas une mauvaise idée. Voilà, donc je suis juste là, bord de green. Je vais prendre un putt. Franchement, je ne vais pas prendre de risque. Alors, c'est pas ouf, je pourrais prendre une approche, mais je vois pas pourquoi il y aurait un risque de prendre autre chose. Donc un léger gauche-droite. Je vais viser un petit mètre à droite du drapeau. Allez, go. Très très soft, ça descend beaucoup moins que prévu. Oh, le petit coup de poignet, allez, allez, allez! Allez, bogey! Alors, trou numéro 2, par 4 de 251 mètres, il y a un énorme dodleg droit. J'ai 190 au bout du dodleg, donc je vais jouer à gauche de l'arbre. Là, qui est à droite là. Petit draw. Un énorme draw, je suis légère bord de petit ref au gauche du fairway. Allez go. Allez go. Donc là il me reste 150 mètres au green. Je pense que je passe pas, faut que je passe au-dessus de l'arbre. Sinon je fais un fade. 150. Oh, j'ai touché l'arbre. Là-bas à droite, au pied du sapin. Elle est partie un petit peu haute. Sinon elle était parfaite. Alors, un petit peu haute ou un peu trop dans l'arbre. L'un ou l'autre, hein, suivant comment on essaye de se consoler.
Bon bah allez, tant pis, j'ai tapé une branche, dommage, elle est passée un petit trou d'arbre. Je voulais qu'elle parte un peu plus à gauche, moi j'étais pas assez aligné à gauche. Allez, on continue. Vous vous rappelez quand je vous disais côté stratégique? Ça, c'est pas bon. Parce que je me suis mis dans la merde du coup. Allez go. Voilà, donc là il me reste 67 mètres. 67 mètres au green. J'ai une porte à gauche, là-bas, à droite je veux dire. Et une porte à gauche. Mais je vais prendre la porte à droite là-bas, j'ai pas beaucoup de risques. Je vais prendre un 7 roulé, que je vais faire avancer là-bas jusqu'au pied du bac. Ça arrête. Ah, dans le bac. Le pied du bac, il est dans le bac. Mais bon, moi je sais où est ma balle. Allez, on continue, c'est parti. Oh là là, comment avoir perdu un point maintenant? Parce que là, je me mets dans le bac. Bon, à part, je peux dire c'est une belle sortie de bunker, mais ce coup-là, là, normalement, c'était green. C'était pas bac. C'était soit green, soit approche. Là, c'était recentrage. Pas bon recentrage. Bon, allez, hop, bunker. François est avec moi dans le bunker. Parfait. Allez, go. Pneu de pluie ou pas, j'espère pas. Tout petit grillon pour le moment. Je sais que j'ai un collègue, Erwan, qui est sur le golfe de Villarceau, qui vient de se prendre 2 cm de grillon. Hein. Donc j'espère que c'est pas ce qui nous arrive, sinon ça va être compliqué. Allez, on va dépeter ça. J'ai réussi à faire une belle sortie, regardez. Là, à 1m50 du drapeau. Allez, go. Bon allez les amis, un parc 5 de 420 mètres. Le bois 5 et l'échauffement étaient vraiment, vraiment pas bons. Par 4. Oh putain. Arbre. Boum. Je suis sur le fer, ouais. Ouais, mais c'est mon face de club complètement ouverte. Je prends le club par-dessus, je pense. Alors, je suis passé sur Golf Shot, les amis, en fait, au passage. Donc du coup... Il va me dire que mon chemin de club était 10 degrés inter-exter. Voilà, donc quand je dis que j'ai fait un peu de par-dessus. J'ai dépassé les rouges quand même, c'est ça qui est important. J'ai fait 60 mètres. Voilà. Et il me reste 350 du coup. Donc bon, là il n'est pas si pourri que ça, donc je vais faire un petit fer 6. Donc il y a de l'eau, je vais me jouer à l'arbre au fond là-bas, légèrement à gauche de l'eau. Ouh, alors là, celui-là. Mais c'est bon, là, je les ai vus derrière. Voilà, après cette super gratte, je suis là. Bah donc du coup. Oh, c'est bon! Il est parti un peu plus gauche que prévu. Ah, j'ai vu. Un peu plus à gauche que prévu. Un peu couillu, du coup, je suis passé à travers l'arbre. Mais bon, c'est bon, je suis sur le fairway derrière. Allez, go. Voilà, ça, c'est le secondo. Je vais faire un petit 54. Bien en rythme. Juste en haut de la butte, je pense que c'est le... Ah, on n'est pas descendu de l'autre côté. Je suis pas redescendu de la butte, dommage. Allez, monte, encore un peu. Un peu juste ça, dommage. Ah, oh. Oh, le mauvais 3 putts. Je pense que je fais double, mes amis, voire triple. Boum. Un peu topé, mais elle est toute droite au moins. Allez, go. Go. Bon, allez, du coup, je suis là. Je vais me mettre juste avant l'eau. Je vais faire un... Oh putain, là on prend cher. Oh, ouh.
je suis là-bas à droite. Je suis trempé. Je vais mettre ma tenue de pluie, je vais me mettre là-bas à l'abri des trucs et hop, je vais chercher les affaires de pluie. Je suis à l'eau. Topé, mais j'ai tapé la butte. Donc j'ai roulé, j'ai tapé la butte puis j'ai ralenti. Donc on verra si elle est restée sur le green. J'ai peur que non. Mais bon, allez go. Et quand le green est là, ça doit quand même être vachement sympa. Hein. Il est mieux que là-bas en fond. Mais là, franchement, à mon avis, il doit être super sympa. Green on hill. Allez, comme The Players. Pareil. Alors, les amis, je suis désolé, j'avais oublié de lancer la caméra. Donc je fais 6 du coup, j'étais. Là sur la droite là, j'étais là, j'ai fait un peu 10 cm trop court du trou. Donc je fais 6. 5 coups bogués plus la pénalité. 6. Allez go! Qui est un par 3 de 162 mètres. Donc, qui est là, voilà. Petit par 3 avec le drapeau là-haut. Posé là un peu en hauteur. Ça va être pas mal. Ben, ça sera faire 6 je pense aussi, légèrement en gauche en direction du tronc là-bas. Ah, attends. Parce que la prochaine fois je vais mettre au départ pour vous donner la mesure. Parce que là du coup j'ai plus que 145 mètres. Donc ça va être un faire 7 je pense. On va regarder ça. Aïe 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 le jambon que j'ai coupé. Ouf. Dans la butte. C'est toi. Dans la butte, j'ai découpé le jambon là. Franchement, un mauvais coup, un très mauvais coup. On va être sur le green. Donc tout début de green, elle rebondit juste en haut de la butte. On va être pas trop mal. Allez go. Voilà les amis, par 5, handicap 2 de 510 mètres des jaunes, de là où je suis exactement, donc on va dire 505 mètres. Celui-là ça attaque un peu quand même. Hein. Bah, je vais quand même sortir mon bois 5 parce que sinon je pense que je vais jamais en voir la fin, je vais taper des coups sans fin. Câble électrique, l'autre green, arbre, ok, bon. C'était un coup de merde. Un gros wedge, gros par-dessus vu comme elle est partie. Le coup qu'il fallait pas que je fasse. Je suis carrément en descente là. J'ai perdu totalement l'équilibre dans le bunker. À droite du bunker. J'ai totalement perdu l'équilibre. Parfait, 2 mètres du drapeau, nickel. Ah, vous ne la voyez pas. Désolé. Je vais vous montrer ça. Numéro 7, par 3, 265 mètres. Peu topiné, du coup elle n'a pas vraiment avancé, mais bon, non, je suis juste avant l'aide. Ça va être le coup du siècle en termes de risque. Allez go. Allez. Moi je suis là. Je fais quoi comme coup? Ouais c'est ça, j'ai fait 140 mètres au faire 7, 6, c'est pas ouf. Un peu topé, ce que je disais. Allez prends la pente. Et après la pente, oh là là, ouais, encore un peu court, hein, j'atterris début de green, j'aurais dû atterrir sur le green quoi. Dommage, bon je suis quand même sur le green, on verra ce que je peux faire si j'arrive à faire que deux pets. Grosse pente gauche-droite, droite-gauche encore une fois. Je
Elle est buggée. Oui. Bon allez, c'est reparti les amis, on repart sur un. Encore trou numéro 8, donc encore un par 3 de 160 mètres. Salut. Voilà, bien mieux. Ouais, une énorme vent de face. Bon, j'espère retrouver ma balle, la première. Je pense que je sais pas si c'est hors limite ou pas. Je vois pas de piquet blanc. Peut-être qu'elle est pas hors limite. Bah, je vois un piquet blanc là-bas, donc j'ai préféré mettre une balle provisoire. Allez, go. Bon, possible de retrouver ma balle. Malheureusement. Donc, je vais jouer mon 1, 2 pénalités, 3, 4. Ok, voilà, vachement mieux en termes de distance. Allez go. Ah, le temps, tu vois, giboulé. Un coup il fait beau, un coup il se prend une averse, un coup il fait beau, un coup il se prend des grêlons, un coup il y a un grand coup de vent, un coup il fait beau, un coup il... Voilà, donc le temps est très changeant. Mais bon, allez go, c'est parti. Je vais aller vous mettre ça pour aller porter. Oh, le mauvais triple quoi. Pouah, cela est épique hein. Boum, allez, nous voilà sur le trou numéro 3, 1 par 4 de 242 mètres, en dead leg gauche. Les gens, vous voyez tout droit là, ils sont à une certaine distance que je vais vous annoncer tout de suite, on va les regarder plus précisément. Voilà, donc la cassure, elle est ouf, elle est loin. Donc en fait, si on veut vraiment aller... Ah, il faut faire 150 quoi. Tout droit, ils sont à 180, ouais, 170. Bon, je vais faire 6, légèrement à droite du bunker. Qui est donc le bunker qui est là. Et puis go. Boum. Parfait. Ah bah celle-là va pas aller dans l'eau. Ou si dans l'eau à droite quoi. Oh putain, j'ai failli choter le gars là-bas. Bon, je suis près de l'arbre là-bas à droite, je sais pas ce que c'est. Je suis à droite de l'eau, merde. Je suis pas sûr que je puisse ramasser ma balle. Mon shot était pas mal. Par contre, je suis complètement à droite de l'eau. Je crois que je suis à droite du green, genre à 25 mètres à droite. Je vais regarder, je sais pas si c'est atteignable ou pas. Je suis près d'une espèce de petit arbre là-bas. Sur le plus grand, je suis pas sûr qu'il pendouille. On va regarder, j'espère que c'est atteignable. Alors peut-être, on va... petite surprise. Allez go. Donc, ça va être pas le basse. Avec pas beaucoup de place, il y a de l'eau entre moi et la balle. Allez. Beaucoup de spin. Allez, c'est parti. Oh non. J'ai freiné. Ah putain, j'ai arrêté mon coup. Complet. Allez, la même gratte. Allez, c'est parti. Et la pente, j'ai inventé une pente. Comme toi. Oh là là. Bon ben voilà. Oh là là. Quelle carte nulle. L'allée. Donc 1, 2 là, 3 dans l'eau, 4 pénalités, 5 là, 6, 7, 8. 1, 8 pour finir. Bon allez les amis, c'est la fin de l'allée. La carte a été catastrophique. Hein, je fais un 8 pour finir. On va essayer de se reprendre pour le retour, essayer de faire beaucoup mieux. Quand même, ça serait mieux. De toute façon, ça va être difficilement de faire pire, je pense. Allez, en tout cas, je vous souhaite à tous une bonne journée et à la semaine prochaine. Salut!